Je passe accroupi. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais faire une sortie au cas où. Après, ça peut venir de là, hein. On sait jamais. Ça va venir de moi déjà derrière. Derrière moi, je veux dire. Ah, c'est bon, j'ai le couteau. Je vais rappuyer sans faire exprès deux fois sur la touche. C'est bon, il a pas accepté le deuxième clé de Gigamart. Donc, il y a du monde ici. C'est un peu dangereux de faire ça sur les angles, parce qu'on voit pas, parce que bon, ils peuvent entendre, ils vont venir. C'est important de faire les entrées et sorties. Surtout quand on les voit pas comme ça, les. Enfin, c'est bizarre, hein, mais on. Enfin, je comprends, mais. Là, il y a passé à travers, j'avais déjà fait d'ailleurs. Là aussi, ok. C'est plutôt cool, on va les chercher. Je sais pas d'où il vient, lui. Non, dans l'axe, toujours pas, ok, change d'option. Ah, je me suis trompé d'arme. Est-ce la fatigue? Vraiment les trois clés du giga? Ok, bon, de toute façon, tant qu'à faire. Ok, il est 11h50, donc j'aimerais bien aller un peu plus en ville. Ça me dérange pas de les tuer petit à petit là, mais c'est pas ce que je recherche. Après j'ai une machette, hein, je peux être violent. Hein. Est-ce que je dois monter tranchant course, on s'en fout, parce que j'en fais tout le temps. Vaut mieux monter le tonfa et puis un coup de machette. Hein. Mais le tonfa en prio. Je vais sur au milieu parce que s'il y en a un là, j'aurai au moins le temps de le voir quand je sors. Et go, ouais, je vais rentrer dans l'art là. Ouais, c'est parti. Après, il faudra que je retourne dans l'autre sens hein, pour bah, le pousser, oui, si on en a. Pousser le troisième. Pousser encore lui. Putain, ils sont violents, les gens. Par contre, je recule dans un axe, on va la faire tomber là. Merde, mais bien, elle devrait tomber si je mets un coup. Ah, elle est résistante. Ah, mais j'ai sous douleur. D'accord. Je suis sous l'air, ok. On va pousser. On va le pousser en bleu là. Il y a un moment où ils. Ah, ils sont durs. Hein. Super résistants. Ok, ça roule. Bon, par contre, là, le truc que j'ai pas géré, c'est la sous-douleur. Hein. C'est clair que ça réduit les dégâts. C'est pas ce qu'il faut. Ah, j'étais un peu trop lent. J'aurais dû la semer à terre. J'ai raté mon coup. Il devrait déjà avoir deux à terre, c'est dommage. Puis ça commence à dégueuler de partout. On va aller courir sur lui, là. Il est en merde, là. Ils arrivent tous, je sais pas d'où. Donc j'ai envie d'avoir un visuel. Si on peut le pousser. Ah, j'aurais mieux finir à terre. Hein. Ouais, il y a un petit peu plus de monde que prévu. Par contre, ce que je veux dire, faut faire gaffe à ceux qui viennent de là. Même là, pareil, ici dans l'axe. On a un au bout. Là, je peux me mettre debout parce que bon, j'ai vu qu'il y avait personne au bout à part un seul. Il n'y en a pas d'autres en visu. Sinon, j'étais tout le temps accroupi. Bon, par contre, faut pas se tromper dans les axes. Allez. Ouais, sinon faut tout servir des objets pour les dissocier. Hein. Et dès qu'on peut s'arrêter, bah faut s'arrêter. Faut pas les rater. On va courir sur elle. Changer d'axe. Même chose. Oh. Faut pas que je rate en fait. Hein. À moins que je réussisse mon coup. C'est un petit peu trop long. Ça devrait tomber. On va en pousser une. Changer d'axe. Ah putain, encore des corps à gérer, c'est un peu chiant à chaque fois. Allez, pousser. Là, je fais pousser au final. Comme ça, c'est un peu tout win. J'ai le temps de lui mettre des patatos. C'est quasi tout win. Des fois, il vaut mieux pousser que taper et taper.
J'ai pas vraiment tapé. Par contre, je suis soufflé. C'est clair que là, j'étais pas prêt à recevoir autant. Je pensais en prendre 5-6. Même moi, ça me fait rire parce que putain, mais n'importe quoi. Je pensais en prendre 5-6. J'ai pas fait gaffe au moodle de douleur à cause des du sport au final. Et bah voilà. Et salut Lane Arts. Comment est-ce que t'as? Salut Salmout. Ça va? Désolé. Hein. Je vais vous repérer. C'est un tout petit peu tendu. Avec un gilet du Gigamart. C'est Gigamart hein, le nom. On va mettre les noms. Faut pas que je traîne. Hein. Je suis accroupi. Pour looter, vaut mieux être accroupi, surtout quand on voit que dalle. Bon, j'étais pas prêt à prendre tout ça. Ça, c'était sûr. Mais bon, après on se débrouille. Il y a 2-3 petits moments où j'ai failli faire des fautes. C'est que du coup, quand on a un nombre assez conséquent, bah du coup on perd encore des dégâts parce qu'elle était paniquée. Et puis c'est surtout l'heure, moi je regarde l'heure, hein. C'est vraiment le truc. On va tout voir. Allez, donc du coup mon but c'était quand même d'avancer vachement dans la ville, voir un peu ce qu'il y a. Je sais qu'il y en a une ici, alors elle a peut-être bougé. Voilà, le temps que je tape, c'est ça, hein, ça bouge vachement, 6 hein, mois plus tard. 1, 2. Ok, ici on va vite le gérer, lui, au couteau. Allez, encore une fois. On n'a pas hésité à reculer. Faut être tranquille, hein. Faut juste pas se faire choper. C'est vrai que je joue beaucoup avec les animations, mais une fois que vous avez chopé le truc des animations, bah vous voyez, je suis arrivé à 2 tensions. Après, faut pas se rater, hein, c'est sûr. Allez, combo, combo. Oh là. Alors, il y a peut-être moyen, s'il se retourne pas, j'essaie de le faire. Mais je vais l'éloigner quand même assez. Ouais, j'essaie de regarder la distance. J'ai pas récupéré mon souffle, hein. On va voir. Ah, en plus je perds mon couteau. Il est pas sympa le jeu. Fait chier quoi. Vraiment j'aurais eu le temps de le défoncer quoi. Just stab backstab. C'est intéressant. Plutôt agréable à voir en cinématique. C'est pour ça que j'essaye de m'affiner là-dessus. Ok, ils sont que 2, c'était cool. Après c'est pas à dire, hein. J'en tue quelques-uns et puis en avoir pas mal ici. Au fait, t'as trouvé tes asticots? Ouais, j'en ai trouvé. J'en ai récupéré une quarantaine dans ma station. Ouais, j'en ai trouvé 2. Ouais, bien vu. J'avais pas lu. Ouais, effectivement, ouais. Mais pas tant que ça, hein, tu vois, je repasse sur les corps. Après, faut pas hésiter à faire la recherche. D'ailleurs, faut pas hésiter à faire la recherche parce qu'on les voit, les asticots. Mais bon, même visuellement, on les voit sur le terrain. Effectivement, ouais. Mais j'en ai pas eu tant que ça, hein. Si tu dis que t'en as une quarantaine, je sais pas. Il y a un taux de proc. Bon, bah, seul au monde, j'ai pas besoin de grand chose. Là, vu l'heure, j'ai peut-être le temps de bah, marcher comme un cow-boy. Et de faire le cow-boy. J'avais dit que j'ai cherché de l'essence. Et là, ça va sortir. Bon, la zone d'aggro du flingue en 9 mm, c'est à peu près ça, je crois. 30 cases. Ça devrait faire. Ah, je suis trop proche. Donc il faut au moins une visée. Après, faut... c'est en proportion à la visée, mais là, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Voilà. J'étais trop loin. C'est pas grave. Ok, j'ai aggro un petit peu. Bah, c'est bien, ça fait sortir tout le monde. Ça fait un peu cow-boy, c'est pas mal. Il vaut mieux. J'ai l'impression qu'il vaut mieux tirer avant. Oh. Pas tirer avant. Cibler un peu avant. Être trop proche, à mon avis. On va recharger, mais c'est pas mon but. Là, j'en ai sorti quand même pas mal. On va plutôt sortir la machette. Être rapide parce qu'à mon avis, il y en a pas mal. Ouais, quand même, ça aggro pas mal. Hein. Alors là, l'autre solution, c'est de sortir. Il y a quoi, lui? Le fusil à pompe, mais j'ai que 6 bastos. C'est un peu tôt à part. Encore un coup. Ah, bon. Après, faut toujours pas que je sois paniqué. Hein. C'est un peu beaucoup, ça. J'ai l'impression qu'il y a le modèle qui apparaît à chaque fois pour essayer. Mais... ouais, je suis paniqué. Hein. Donc là, bah, je m'attendais pas à sortir tout ça, d'ailleurs, des magasins. Les sorties sont là, j'ai pas checké, on va voir. J'entends, je sais pas si j'ai... Ah c'est dangereux, non, c'est trop... ça a l'air d'être merdique l'entrée ici. Là c'est pas mal, je crois que j'ai déjà fait, j'ai fait de la menuiserie ici. Ouais c'est pas mal. Là c'est des dilapidés, faut faire attention à la sortie. Par contre. Ok c'est cool.
Et comme ça, on va les reprendre. Mon but, c'est pas de les semer pour l'instant. Il est 15h, j'ai le temps. Après, ce serait d'aller chercher à manger par là-bas. Mais je me dis, je peux en prendre. En passant accroupi, je peux en prendre que quelques-uns. Là, c'est tout win, en fait. Ah, sauf s'il y a quelqu'un qui m'a vu. Ok, deux. Peut-être jouer du confort hein, finalement. Non. Donc je sais pas combien ils étaient. Il faut que je me dise qu'ils peuvent tous arriver là. D'accord. Ils vont venir un par un. Donc, oui. Bah, c'est plus sympa de les prendre un par un. Donc juste ce brain comme ça. Après je vais me cacher, je pense que ça devrait marcher. Là. Au couteau j'entends. C'est histoire de se cacher des armes pour pas que les autres vous voient, même si ça dégueule, c'est plutôt sympa. Il doit y en avoir quelques-uns en visio. Ils ont resté qu'il est. Des fois, c'est intéressant juste de les semer pour mieux. Eh les mecs, venez, je vous prends tous un par un. Ils sont 5, 6. J'ai une sortie. Je vais en taper un, forcément. Je vais le pousser avant quand même. Parce que là, voilà ce que je veux dire. Ça peut venir de dos. Là c'est rotation, hop, et pousser espace. Faut savoir jouer enfin avec ces animations là. C'est vrai que c'est un peu dangereux. Mais ça se fait bien. On va sortir la machette, j'ai pas que ça à faire. Après j'aurais pu rentrer, fermer la porte, faire un petit peu comme. Il y a un film qui est bien comme ça. Le zombie d'ailleurs. Ah, j'ai raté ma toile. Après bon j'aimerais bien intégrer là-dedans les flingues en fait hein, mais je crois que c'est pas ça encore. D'accord, reload. Ah, il a pas eu le temps de reload l'autre fois. Ouais. GG beau gameplay. C'est cool hein. Et on a plein de choses à faire comme ça. Et je vous dis, enfin. Après, il faut la pratique, hein, faut pas rêver. Mais je sais qu'il y a un truc sympa à faire avec les flingues. Quand tu vois, quand tu comprends les temps d'animation et autres, vraiment, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Quoi. Oh non! S'il vous plaît. Oh non, pas ça! Ou alors, tu vois, tu te fais complètement gauler en faisant des miss trucs. Voilà, le perso est fini. Bon, après, ça arrive. Hein. Mais je sens bien que... Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Je reverrai le miss truc, mais je pense que j'ai trop désaxé mon coup. Et bah c'est violent. Hein. C'est violent. Il faut tout refaire. Bah ouais, c'est la vie. Mais ça montre bien qu'il faut faire attention. Moi, ça me dérange pas parce que... Bah c'est vrai que c'est dommage parce que vraiment à chaque fois... Je voulais vérifier les sacs. Je voulais faire les guns. Mais bon, voilà. Ça fait partie du gameplay, c'est pour ça que c'est assez délicat. Moi ça me fait sourire, ce qui me fait chier je vous le dis pas, hein, c'est clairement de tout refaire, mais bon, maintenant j'ai un peu l'habitude de tout refaire, ça me dérange pas trop. Mais je vous avoue, sur cette session, ça m'a fait vraiment plaisir de comprendre un peu plus le gameplay, j'aurais aimé vraiment mettre le gun en place. Mais bon, je me dis de toute façon c'est comme ça, je préfère plutôt le beau jeu que le kiki au final. Je vous avoue, hein, je prends largement plus plaisir à, comme tu viens de dire, dans le gameplay.